tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. La démonstration de cet amour dont parle Dieu est très élevée. Ciao, nous c'est que Samaria comme on a le jour. En cet instant, nous accueillons le pasteur Adenio Charles de Palimé. Amen. Amen. Deo Tsekokwe. Ao Najibo Za. Hallelujah. Najibo Samo Nagwa. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, nous te remercions. Révèle la gloire du Seigneur Jésus-Christ à nous ce matin. Par la puissance de ta parole. Que la guérison soit effective. Par la puissance de ta parole. Que la délivrance soit effective. Par la puissance de ta parole. Que la bénédiction soit effective. Par la puissance de ta parole. Que nos vies changent totalement. Et par la puissance de ta parole. Nous avons vaincu le malin. Ses œuvres sont détruites. Nous nous sommes allés de l'avant. Et nous avons prospéré à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Amen. 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 Mais tu es au nom d'Ea. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Je voudrais que tu partages cette bienvenue avec ton prochain ce matin. Ah ou. Ah ou. Non. On ne le fera pas ainsi. Tu vas te lever de là où tu es. Et te rendre et t'approcher de quelqu'un. Pour lui dire, bien-aimé de Jésus. Sois la bienvenue ce matin que Dieu te bénisse abondamment. Yesu bolo loto wisdom dia mawira kakaka mega no te puede cao mega no te puede cao
Ne reste pas. Approche-toi de ton prochain. Dis-lui, bien-aimé de Jésus. Sois la bienvenue ce matin. Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé de Jésus, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse ce matin. Ne reste pas sur place. Mobilise-toi. Bien-aimé de Jésus, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse. Partage-le à bien-aimé de Jésus. Sois la bienvenue sur le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. À quelqu'un d'autre et viens t'asseoir. Et fais-le et retourne à toi. Oh, Yesu Belolonto, où est-ce que tu es? Jésus, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse abondamment. Approche-toi de quelqu'un et dis-le lui. Approche-toi de notre et partage-le avec lui. Approche-toi de notre. Oh, Yesu Belolonto. Bien-aimé de Jésus, sois la bienvenue ce matin. Que Dieu te bénisse. Je suis venu pour te dire que c'est pour une certaine raison. Et par là, je te dis selon la parole de Dieu que Dieu me charge de te dire: paie ta dette. Dieu m'envoie vers toi pour te dire: tu es débiteur.
Alors paie ta dette. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, ne le bloque pas. Paie ta dette. La dette que tu dois. Tu ne donneras pas d'excuses là-dedans. Quelle qu'elle soit, cette dette, tu dois la payer. Commence dès à présent à la rembourser. Et jusqu'à la fin. Si tu le fais ainsi, alors Dieu ne te comptera pas parmi ceux qui le bloquent. Car certains le bloquent. Certains sont devenus un obstacle devant lui. Et ainsi, ce qu'il voudrait faire, il n'arrive pas à le faire. C'est pour cela qu'il m'envoie vers toi. Pour te dire, paie ta dette et tu peux la payer aussi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je ne parle pas du pagne que tu es parti acheter à crédit. Non. Je ne parle pas des institutions de crédit qui t'ont fait un prêt pour tes activités, non. Je ne parle pas des biens matériels que tu as achetés et qui reste quelque chose à payer là-dessus. Il ne s'agit pas de cela. Ce que je te dis, c'est que tu dois à telle personne. Tu dois à quelqu'un d'autre. Je voudrais lui faire une accolade. Je voudrais le porter sur mon dos. Je veux m'allonger côte à côte avec lui et causer. Je veux manger avec lui. Mais je n'y arrive pas. Et parce que mes mains, c'est toi qui es devenu mes mains. La main avec laquelle je vais porter mon enfant, c'est toi qui es cette main-là pour moi. Ce que je vais prendre, la bouche avec laquelle je vais chanter à mon enfant, c'est toi. Ou les pieds avec lesquels je vais marcher pour m'approcher de lui, c'est toi. Ainsi donc, comme tu ne t'es pas rendu auprès de lui, moi non plus, je n'y suis pas allé. Quand tu n'es pas arrivé à l'embrasser, moi non plus, je ne suis pas arrivé à le faire. Mais tu me dois tellement. Et allons voir dans la Bible. Romains. Le chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 8. Romains chapitre 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux
qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset. Amen. 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 Migani naneke befe le ameade kesio nekbe mianewo lolo fefeko elabena amesike le amebubu lomla ewu selanu elabena nyasio ngolodi bena mega wahasio mega wamo mega fifio mega bianwo eyene sebubu ade galila feta le nyasia mebe lon haovi abe dokuo ene lolola mewa. Okay, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Megani naneke pe fe do amadeke o. Ne doit donc rien à personne. Ndegbe si ce n'est lolon pe fe ko. L'amour. Blona mede ikele wa hajibe. Dis à celui qui est à côté de toi que c'est une vérité. Tu me dois. En vérité, tu me dois. Dis-le à un autre. En vérité, tu me dois. Tu vas commencer cela ici, dans le temple maintenant. Adje. Et en commençant à rembourser cette dette, elle est dit toge fifila. Tu vas commencer maintenant à payer cette dette jusqu'à ce que tu l'aies totalement payée. Elle a bena car ne est de l'enfien ama. Si tu lui manifestes l'amour, et que ma aigné ma loin là, alors c'est moi qui l'aime. Mais dis-moi ma l'enfien. Car je voudrais aimer mon enfant. Mais dis-moi placer qu'on a vigna. Je veux faire des embrassades dans mon enfant. Mais dis-moi coupon nous. Je veux lui donner un baiser. Mais dis-moi ma doute plie. Je veux causer avec lui. Mais dis-moi donne nous ces vigna. Je veux fortifier mon enfant. Mais dis-moi dédiponner. Je veux l'encourager. Faut assis ma. Mais les mains avec lesquelles je le fais, tu représentes cette main-là. La bouche avec laquelle je vais lui dire des paroles d'encouragement, c'est toi cette bouche. Les pieds avec lesquels je vais me rendre auprès de lui, c'est toi qui es mon pied. Comme tu ne lui as pas rendu visite, et comme tu n'es pas allé l'encourager, tu n'es pas non plus allé le fortifier, je n'ai pas pu le faire non plus. Alors ne sois donc pas un obstacle devant moi. Paie ta dette. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur veut que je te dise encore que ce qu'il est en train de te dire est profond. Il est profond. Allons dans Luc le chapitre 10. Mais le papa que fifi là, je vais clôturer bientôt. Luc atawo chokuku iblavevo aton. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. »
Verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. » Verset 36. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Amen. Amen. « Ayez poda, lukata ewo kugble voton. Ayez poda, se fiala de titre, le etempo. » Blobena, nous fiala nuka mawobe mani akbema vodome maha. Eye wobenebena, nuka onglode esek balea me maha. Aleke chlem ne lea. Eye wodonune bena. Nalo afeto womau ple wo jiblibo, ple wo lubablibo, ple wo nusemblibo, ple wo tamesusu blibo, pakple haovi, abe alesi ne loa wonto dokuo ene. Eye wogblo ne bena edonu nyue wo esia e nakpo akbe ke yala esi wo le didin be ya cho afia na edokwila egbro na yesu bena amake enye hanye vi maha eye yesu koji gblo ne bena ame ade cho Jerusalem ke ina Jericho eye wo daje ajudala osime eye wo de pe awule enu eye esi wo de abienu la wo jo hegble di wo ku afan ple afan ke eva fa me bena mau no no la deva to moma ina eye si wo po la eto enu hei nenema ke lewi to ade ha esi o va do te fe la eye wo po la eto enu hei ke samaria to ade zomo va do afisi wo le eye esi wo po la efwe dometro de enu eye esi wo va ekpola echo ami ple wen hekode efwe abiawo me eye wo blawo eye esi wo cho edo ye ntofwe lajila ekple yi amejro jefwe eye wo po eji eye esi nukela echo derario efwe na afweto eye wo gblo bena po eji eye nusike na gble de eji la nyela le nye totro megbela mado etekwe na o ame eton sia o domela kae ne susu be ezu ezu havina ame si je ajola ajodalo si mema ha eye wo gblo bena ame si ponu blani ne lai ke yesu gblo ne bena hey e na o nenema amen amen praise the lord alleluia ame ade ma le nyade biam kristo. Voilà quelqu'un qui pose une question à Christ. Ben, en ces termes, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, que lis-tu dans le livre de la loi? Il répondit, qu'il est écrit dans le livre de la loi, aime ton Dieu de toute ta force et de toutes tes pensées. Aime également ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit, mais fais-le donc. La Bible dit, bon, il prit un peu de recul et il demanda à nouveau, qui est mon prochain? Et Jésus mit en évidence cette parabole. Que quelqu'un qui voyageait de Jérusalem pour se rendre à Jéricho tomba entre les mains des brigands. Il a été roué de coups, on le dépouillait également. Et il est tout nu. Et il était à demi-mort.
Et un sacrificateur passa par là. Et passa outre. Lévite devaïna. Un lévite également passa. Et tonouvaï. Et le dépassa aussi. Samaria tordeva dofima. Un samaritain arriva dans le même lieu. Otordenou. Et il s'arrêta. Eye onek pepe de nou. Et lui apporta son aide. Et quoi y a mejo jefe? Et l'emmena dans chez un autre. Eye o chefe d'état. Et paya le prix. Brona. Disant à l'autre de prendre soin de lui. Et quand il va revenir, ce qu'il aura dépensé en plus, il le payera. Praise the Lord. Alléluia. Nous il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ceci. Mais celui que le Saint-Esprit m'a remis pour transmettre à l'église, c'est cela que je vais traiter. Dieu me charge de te dire, n'aime aucun de ses enfants avec cet amour-là uniquement. Que toute l'église l'entende. Tous ceux qui écoutent ma voix partout où ils sont, qu'ils écoute ceci. Dieu me charge de te dire de ne point aimer aucun de ses enfants avec cet amour-là uniquement. Le lévite passa outre lui. Le sacrificateur fit de même. Et pourquoi? Et parce qu'ils avaient une certaine loi, eux. Et ils ne fixaient que cette loi. Et parce que cette loi disait qu'ils ne toucheront point un cadavre. Lui, il observait la loi et il est parti. Dans cette parabole, Jésus-Christ sert de ce Samaritain. Et pour parler de la bonté aux hommes, selon comment un être humain peut être bon envers son prochain. Et cette bonté qui s'est déroulée là-bas, tous peuvent le faire. Le chrétien aussi peut le faire vis-à-vis de son prochain. Le païen aussi peut le faire à l'égard de son prochain païen. Un païen aussi peut se comporter ainsi envers un frère chrétien. Un chrétien aussi peut aider de cette manière un païen. Pour cela, Dieu me charge de te dire que ce n'est pas ce tabou-là uniquement. Et avec lequel tu vas aimer ses enfants, non? Praise the Lord. Alléluia. Celui qui pose ce pas de bonté, il est un païen. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'a pas le véritable amour dans son cœur. Car c'est un Samaritain. Il n'était pas un homme pieux, non. Il aida. Et abandonnant ses plaies. Et tout l'a bien nettoyé. Et le prix sur son âne pour l'amener dans une hôtellerie. Et il paya. Et il est parti. Disant qu'il reviendra. Toute cette aide apportée, tout le monde peut le faire. Ce qui est caché dans ceci, le voici. Celui-là a quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Il est parti de Jérusalem, là où ce lieu qu'on appelle ville de paix. Pour se rendre dans Jéricho, cette ville maudite, s'il était un homme pieux, s'il était homme du Saint-Esprit, s'il était né de nouveau,
Le travail qu'il va faire sur celui-là sera différent de ce qu'il a fait. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux construire une maison pour ton frère. Tu peux acheter une voiture et l'offrir à ton frère. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux l'aider. Et c'est ce que ce Samaritain aussi a fait. Et Jésus-Christ a dit, et si vous saluez ceux que vous aimez uniquement, et qu'as-tu fait de meilleur? Praise the Lord. Alléluia. Trop souvent, quand les païens aussi font de même, ne effleurez-vous. Si tu achètes un véhicule, tu construis une maison, tu aides un frère ou une soeur chrétien. Ce n'est pas mal. Mais qu'as-tu fait de mieux? Car les païens aussi font la même chose à leurs frères. Soyez parfaits. Comme l'est votre Père qui est dans le ciel. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que nous cachons maule be hameya na wo. Et donc que cherche Dieu pour que cette église fasse? Nous cachons maule be yevio na wo la fia. Quel est le désir de Dieu concernant cet aspect-là de la chose? Elle a be long fait de go si blom maule. Car la démonstration de cet amour dont parle Dieu est très élevée. Plus que ce que ce Samaritain a apporté à cet homme. Le pas d'amour. Le signe d'amour. Les attitudes d'amour. Si maou le mokbombe yeziona dede go le ministère yamedo dawo neoboa. Que Dieu attend de voir dans ce ministère que ses enfants manifestent les uns vis-à-vis des autres. Et koko a de la hauteur. Chou nous c'est que Samaria nous tu mawo. Que ce que ce Samaritain a fait. Va mademanolto moyaji. Viens que je te l'explique de cette manière. Mais ça mena woto. Et soyez attentifs. Et écoutez aussi ceci. Quelque chose d'important que nous avions vu le 31 décembre. Quand nous voyons que l'Éternel a dit, mon peuple fuit et entre dans ta chambre intérieure et ferme la porte derrière toi. Nous voyons que Jésus-Christ a dit, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'amour dont Dieu parle, l'amour que Dieu désire que tu manifestes envers son enfant, est de la hauteur. Que cette marque de bonté que ce Samaritain a démontré vis-à-vis de celui-là qui est tombé aux mains des brigands. Cet amour-là. Mais le Samaria toi si où? Ce Samaritain ne le possédait pas. Cet amour-là. Il est indispensable que l'homme meure pour lui-même. Avant que cet amour ne se manifeste dans sa vie. Cet amour-là. L'homme, tout comme cela vient d'être dit, que sa semence, son grain, doit tomber dans la terre. Cet amour-là,
C'est par ce canal qu'il se révèle. Ce n'est pas cet amour-là, étant déjà samaritain, et qu'on manifeste non. Est-ce que tu me comprends? Cet amour dont parle Dieu, on ne sera pas un samaritain pour manifester cet amour-là, non. Praise the Lord. Alléluia. Alors, qui est donc un samaritain? Jean, le chapitre 4. Le verset 19 dit: Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jean chapitre 4, le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Praise the Lord. Alléluia. Nyonwa glone bena afeto. Mejesi bena nyagborila nenye. Mia fofo dua gbeda le to siaji. Eye miao mie globena te fe le Jérusalem. Afisi wole be ou adok bedale. Nosi blom Samaria tomale na Christo eye bena. Et ce que disait cette Samaritaine à Christ, c'est que mi yudato, vous juifs, mi Israelvioa, vous israéliens, Jérusalem yem yedouak bedale, vous adorez à Jérusalem. Jérusalem fima kwem yedouak bedale. Uniquement à Jérusalem vous adorez. C'est vous qui offrez en sacrifice les colombes. Et c'est vous qui offrez en sacrifice les agneaux sans défaut. Et c'est vous qui brûlez de l'encens à votre Dieu. C'est vous qui vous servez des assiettes en or pour le louer. Nous et nos pères. Et tout y a dit. Sur cette montagne, nous adorons. Nous sommes nous qui mettons le pagne autour d'un baobab. Nous malaxons la farine de maïs et de l'huile rouge. Nous sommes ceux-là qui dansent, qui sont des pas. Nous sommes ceux-là qui font bouger les gonds d'une certaine manière. Nous sommes ceux-là qui mettons les pagnes autour de notre tronc. Et nous ne portons pas de chaussures. Nous sommes ceux-là que quand le soleil se lève, nous l'adorons. Nous sommes ceux-là qui se prosternent devant l'eau de ruissellement. Nous sommes ceux-là qui adorons nos ancêtres également. Mais vous, juifs, vous dites que c'est à Jérusalem seulement qu'on doit adorer Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Elle est en train de parler en tant que païenne. Elle est en train de parler en tant que quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu vivant. Et précédant cela, quand Jésus-Christ lui a demandé de lui donner de l'eau à boire, il lui a dit, de quel droit me demandes-tu de l'eau à boire? Et il savait bien qu'il n'y a pas de relation entre eux et les juifs. Qui n'ont point de relation. Qui n'ont point de bonne entente. Et qui ne se salue même pas. Et pourquoi lui demande-t-il donc de l'eau à boire? Samaria nyonwa le doku nu demnyere bena yele akeame. La Samaritaine s'exprime en ces termes qu'elle peut haïr quelqu'un. Et cette Samaritaine s'exprime en disant qu'elle peut haïr. Et cette Samaritaine est en train de dire clairement que vous les Juifs, nous ne vous aimons point.
cette Samaritaine. Alors Samaria toya. Ou cette Samaritaine, oui. Ou ce Samaritain. C'est lui qui a été bon envers celui qui était tombé aux mains des brigands. Avec son idolâtrie. Avec sa haine. Avec sa rancune. Il a pu être bon envers quelqu'un. Dieu me demande de te dire qu'il a rejeté. Qu'il a rejeté cette sorte de bonté au milieu de ses enfants. Qu'il refuse cette marque de bonté au milieu de ses enfants. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Cet amour-là ou cette bonté-là. Tous peuvent la manifester. Mais celui dont il parle. Cet amour dont il parle et qu'il veut démontrer à son enfant et cette bonté dont il parle qu'il veut démontrer à son enfant on doit mourir pour soi avant que cet amour se révèle comme des semences. La parole a dit qu'on doit la mettre dans la terre. Plusieurs d'entre nous ici présents, même dire bonjour à notre frère ou à notre soeur, c'est tout un problème. Pour que les gens ne constatent pas que je l'ai dépassé sans le saluer, mais je l'ai fait, mais dans mon cœur, je suis comme ce samaritain-là. Il y a une haine dans mon cœur à son encontre. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans mon cœur contre lui. Je lui ai donné quelque chose. Je lui ai donné quelque chose. Je l'ai aidé. Mais intérieurement, non. Ça m'a étonné, l'enlevé. C'est là l'amour du Samaritain. C'est là la bonté du Samaritain. Jésus-Christ dit qu'il ne parle pas de cet amour-là. Le véritable amour. On rentre d'abord dans la terre. On meurt là-bas. L'ancienne vie est morte. C'est dans ce vieil homme-là que se retrouve ce Samaritain. Alors, cette révélation que l'homme de Dieu a portée dit que Dieu veut que ses semences rentrent dans la terre. Oh, praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Boda. Regarde, Boda. Vois, Yeleu. Aujourd'hui, on t'a pris. Yeleu. On t'a pris. Yeleu. On t'a pris. Jassie, tu es un voleur. Adjogli. Tu es un brigand. Ahasito. Et tu es un adultère. Befou. Tu es un voyou. Et tu es sorti de ta maison et on t'a pris ainsi. Celui-ci te gifle. L'autre aussi te gifle. L'autre te donne des coups de pied. On te traîne par terre. Et tu commences par crier. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais laissez-moi. Et on te donne des coups par ici. On te donne des coups par là. Et tu cries. Et quelqu'un accourt rapidement. Mais arrêtez. Mais que se passe-t-il? Et tu t'es soufflé. Je ne sais pas. Mais il a volé. C'est un voleur. Et on le gifle à nouveau. On le frappe à nouveau. Et me dit, qu'est-ce que je fais? Et celui-là dit, mais attendez, laissez-le. Nous allons poser des questions. Mais il est venu voler. Il a volé. Et les gens ont crié, mais aujourd'hui on t'a pris. Et oui, ça n'a pas marché pour toi. Et avant de passer derrière, et quelqu'un passe par derrière pour déchirer ses habits. Et il est tout nu. Et il y avait quelqu'un qui voulait les séparer. Mais que se passe-t-il? Il est venu voler dans notre maison. Moi,
Mais ce n'est pas moi. Mais tu veux parler encore? Je veux te gifler. Mais c'est toi. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Amadou Vuduva. Quelqu'un a couru. Il a dit, mais frère, attendez, attendez. Mais savez-vous? Mais qu'êtes-vous en train de faire? Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a posé l'acte. Ce n'est pas lui qui a posé l'acte. C'est toi, enfant de Dieu. Et cela t'est arrivé. Et le Saint-Esprit te dit, mon enfant, pardonne-le-leur. Pourras-tu le leur pardonner? Pourras-tu le leur pardonner? Il y a du sang qui coule déjà sur toi. Et tu es blessé. On a déchiré tes vêtements. On t'a piétiné au sol. Et quelqu'un a dit, oh, s'il vous plaît, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais c'est juste une ressemblance. Mais bon courage. Bon courage. Maintenant, tu peux t'en aller. Mais va-t'en toi aussi. Tu veux rester encore ici? Va-t'en. Et Dieu dit, vigne, mon enfant, pardonne cela. Pardonne-le-leur. Pourras-tu le faire? Que mes semences entrent dans la terre. Alors elles pourront manifester mon amour. Pas l'amour du Samaritain. Pas la bonté du Samaritain. Mais l'amour du ciel. Cet amour céleste. C'est cela qui s'est manifesté dans la vie d'Étienne. Dans Actes le chapitre 6. C'est là l'amour du ciel. C'est là l'amour du ciel. Et cette révélation-là dont parle l'homme de Dieu, il s'agit de ça. Les semences que nous sommes pour Christ, nous devons nous retrouver dans la terre. Le vieil homme doit rester dans la terre. Et le nouveau doit sortir. Et quelqu'un dira, en tout cas, je vais porter plainte. Je n'ai rien fait et voyez comment ils m'ont traité. Et voyez-moi. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit dit, mon enfant, pardonne-le-leur. Mais toi, tu es un démon, je te commande. Je te commande. Vigne. Mon enfant. Souviens-toi de moi à la croix. Mais comme on peut se voir, je te blâme avec le sang de Jésus, toi. Et dis-moi la siwa. As-tu ce cœur-là? Ike na fowa u kakao ple akpete wo ple afokpa yo foke et dis-moi la siwa. Avec lequel tu vas ramasser tes morceaux et de vêtements ainsi que son sac et ton sac et tout. Et ce que tu avais sur toi, as-tu ce cœur-là? Pour leur dire, c'est bon, c'est bon. Mais j'aimerais te dire, de la même manière, Jésus t'aime. Il a besoin de toi. As-tu ce cœur-là? Pourras-tu le faire au moment précis? L'amour du ciel. C'est de lui que parle Dieu. Il dit que tu es débiteur envers mon enfant. Et tu es débiteur envers mon enfant. Mets-toi debout maintenant. Approche-toi de quelqu'un là-bas. En vérité, je te dois. Mets-toi debout. Tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Approche-toi de quelqu'un. Approche-toi de quelqu'un. Approche-toi de quelqu'un. Va encore vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, je t'aime. Que je t'aime tant. Et tu verras un changement. Tu vas voir un changement venant de moi. Partage-le avec quelqu'un d'autre. Mais long, plat, fait long.
si me po wola ma wo ti kokwe le ma ya ta me lo wo fla fwe to fwe lo lo si me po me ga no anyo me ga no anyo ne reste pas yi to na to ne be no fi nyem lo approche toi de lui dis le yesu fwe lo lo je t'aime de, donne l'amour de Jésus Bye.
Brazila. Hey, yeah. Papa Yesu. Toasira papa, toasira papa. Toasira. Yamawi. Toasira. 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 Pendant que le groupe musical continue de chanter, yo aimé papa, invoque le père et Nado te plaît. Et il va causer avec toi. Yo aimé papa, appelle le père et Nakola Ojimanyane. Et dis-lui les paroles de ton cœur. Yo aimé papa, appelle le père et Nafasi Kodeji. Et pleure sur lui. Et il m'a que choral et Haladji. Pendant que le groupe musical chante, oya yo aimé et toi appelle le bon père. Oh, me voici. Favine. Pleure devant lui. Pleure devant lui. Favine. Dis-lui les choses de ton cœur. Jesus.
Atiano Nakpo Akpe Oh Bo Latiano Nakpo Nous allons passer par ce canal pour entrer dans le jeûne et la prière. Le jeudi prochain. Le vendredi également. Et le dimanche aussi, nous continuerons. Pour cela, prépare-toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te fait des accolades. Le Seigneur vous fait des accolades. Le Seigneur te donne des baisers. Et il te dit, mon enfant, je suis là pour toi. Il te dit, mon enfant, ne t'affaiblis point. Te disant, mon enfant, je vais te secourir. Te disant, je combattrai pour vous. Et je vous donnerai la victoire. Te disant, je ne te laisserai point en proie à la merci des ennemis. Je combattrai vos ennemis. Je les briserai en miettes. J'ôterai la montagne de devant vous. Te disant, observez uniquement ma voix. Obéissez à ma voix seulement. Et démontrez-vous les uns les autres l'amour. Tel que je vous ai aimé aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de la maladie. Écoute la voix de l'Église. Sorte rapidement. Sorte rapidement. Cancer. Fibrome. Hématie. Arthrose. Achikechi. Le palud. Les malaises de la tête jusqu'aux pieds. Sont détruits dans le nom de Jésus. Sors rapidement de l'amour, sors rapidement de leur vie. Mi shoto yo yo. Recevez la guérison. Mi shoto yo yo. Recevez la
la guérison. Après toi, les meurtrissures du Seigneur Jésus vous guérissent. Les meurtrissures du Seigneur Jésus vous guérissent. Vous êtes rétabli. Dans le nom de Jésus. Reçois-le avec foi. Reçois-le par la foi. Et tu prospéreras jamais. Amen. Amen. Praise the Lord. Merci le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prions tous ensemble maintenant. Remets entre ses mains ton retour à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions ce jour. Oui, nous sommes redevables. Nous sommes redevables vis-à-vis des frères. Et comme tu nous parles, nous avons décidé en nous-mêmes de ne plus être débiteurs. Nous allons démontrer l'amour les uns envers les autres. Nous n'allons pas le faire avec celui du Samaritain, mais plutôt avec celui du ciel. Pour cela, viens et aide-nous dans le nom de Jésus. Maintenant, le Dieu qui t'a choisi, celui qui a dit tu lui appartiens, celui qui t'a dit il a écrit ton nom sur sa main, qui t'a dit que ses murs, tes murs sont devant lui et à toujours, lui qui a dit que tu es sa sainte demeure, c'est le même qui a pris tes devants et il te ferme la marche après toi et il a déployé ses ailes sur toi pour te conduire sain sauf à destination. Une fois à la maison, il sera avec toi et pour causer avec toi et t'enseigner et te faire prospérer. Va, car ce Dieu est avec toi et toi tu prospéreras jamais dans le nom de Jésus. Amen. 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 Remercie-le. Amen. Amen. Maintenant, toi, tourne-toi vers quelqu'un. Dis-lui. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. Aime-moi. Comme Jésus. Mais ne m'aime pas comme ce Samaritain. Mais aime-moi de l'amour céleste. L'homme-là. Ouais, plaît, j'y peux ton âme.